À tous et à toutes. Apparemment, le flot de participants s'est arrêté, donc on va pouvoir commencer. Je vous remercie d'être présents ce soir pour cette conférence avec Dominique Bourg. Je resitue en quelques mots cette conférence dans le cadre de ce cycle, du cycle de conférences de la chaire Jean Baster. En quoi l'écologie est-elle une question éthique ? Nous sommes donc quelques semaines après la COP21, après les grandes émotions, les grands enthousiasmes que nous avons vécus, et nous prenons un peu le temps de faire le point et de réfléchir et de nous poser la question de manière posée, en quoi l'écologie est une question éthique ? Et nous avons abordé jusqu'à présent la question sous deux angles. Le premier, celui de la climatologie, avec Isabelle Roussel. Le deuxième angle, c'était celui de l'écologie comme science, biologie des écosystèmes, rapport à la nature, avec Catherine Larère. Et ce soir, nous allons prendre encore plus de recul philosophique avec Dominique Bourg, que je vais présenter dans quelques instants. Et la prochaine fois, nous terminerons ce cycle avec Gaël Giraud sur les questions d'économie et mode de vie. Donc, ce soir, nous accueillons Dominique Bourg. Alors, c'est très bien parce que les éditions Parole et Silence ont fait le boulot de présentation. Donc, j'ai la petite notice qui va bien ici. C'est le commentaire de l'encyclique Laudato Si. Donc, ça vous permet de savoir que Dominique Bourg a participé au commentaire de l'encyclique Laudato Si avec les Bernardins. Il est philosophe et professeur ordinaire à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'université de Lausanne. J'ai découvert tout à l'heure que Dominique était aussi théologien, puisqu'il a un DEA de théologie catholique à l'université de Strasbourg, et qu'il a publié même plusieurs Cogitatio Fidei, donc c'est le summum de la production en théologie francophone, en France en tout cas. Il est également vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, et ses domaines de recherche concernent la démocratie écologique, le principe de précaution et la question des risques, l'histoire et l'histoire de la pensée écologique. Il est directeur en fait de collection aux presses universitaires de France et il a publié le très récent Dictionnaire de la pensée écologique qui a été réédité, réimprimé un mois après son lancement, donc c'est dire que si ça fonctionne bien. Et ce soir, donc, je vais poser la question du rapport entre écologie et éthique avec un recul beaucoup plus philosophique. Et donc nous allons avoir un panorama du rapport homme-nature ce soir, donc en une heure. Donc je vous redis simplement comment ça se passe. Pendant une heure, Dominique va nous parler donc, de son sujet. Ensuite, nous avons une petite pause de 2 ou 3 minutes pour laisser le temps à ceux qui ont besoin de partir pour rentrer chez eux, qui ne souhaitent pas rester pendant le temps de questions. Et nous terminons donc la soirée avec le temps de dialogue et d'échange avec Dominique, ce qui nous mène vers 20h30. Dominique, je te remercie d'être venu et je te laisse la parole pour une heure. Merci Fabien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que la nature aujourd'hui ? Alors, c'est pas facile parce que c'est très vaste. Le mot nature est un mot, pas valise, mais carrément bibliothèque. Donc, on va devoir ne retenir que quelques grandes arêtes. Mais vous verrez que l'idée qu'on se forge, ou qu'on est en train de se forger, de la nature aujourd'hui est relativement très différente de celle que nous avons héritée des modernes et qui s'est grosso modo maintenue dans son intégrité jusque vers le milieu du 19e, puis qui commence depuis lors de s'effriter, et puis qui a reçu un coup assez lourd ces toutes dernières décennies. Alors, déjà, petite distinction, si vous voulez, entre purement lexical. Le mot nature n'évoque pas un concept, c'est-à-dire une classe qui permet de rassembler des individus, pour autant des individus qu'on peut désigner du doigt, tout à fait concrets, et pour autant qu'ils correspondent ou qu'il réponde à certaines caractéristiques. Non, le mot nature évoque une idée. Une idée, c'est un agencement de concepts, et par définition, les idées sont très sensibles à l'histoire
et à l'évolution de l'esprit des temps. Et d'ailleurs, de fait, le mot nature n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas d'équivalent strict, il n'y en a pas plus dans le Coran. Chez les peuples premiers, vous ne verrez pas non plus l'idée nature. C'est vraiment une idée héritée des Grecs qui est vraiment au cœur de ce qu'on appelle la pensée moderne. Alors, première hypothèse que j'émettrais, c'est qu'effectivement, nos représentations aujourd'hui de la nature, l'idée que nous nous en faisons, ou plutôt les idées que nous nous en faisons, sont en train de changer. Deuxième hypothèse, eh bien, c'est qu'un tel changement est en général très long et se déploie sur plusieurs siècles. Et comme on a eu un précédent, c'est-à-dire le passage de l'idée antique de la nature qui s'est maintenue tout au long du Moyen-Âge à l'idée moderne, eh bien, c'était l'affaire de 2 siècles au moins. Et effectivement, ça fait probablement 1 siècle et demi que l'idée moderne de la nature est en train de subir un certain nombre de coups. Le précédent, c'est l'effondrement du cosmos au sens antique et puis le fait qu'on lui ait substitué une conception moderne, mécanique de la nature qui était très, 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 très différente. Probablement, la rupture, c'est 2, en quelque sorte, on pourrait dire, événements scientifiques, grosso modo du milieu du 19e. Le premier, qui tous les deux, si vous voulez, vont réinscrire l'homme dans la nature, alors que ce qui a été très, je vais y revenir plus profondément, mais ce qui a été vraiment le trait principal de la conception moderne de la nature, c'est l'opposition homme-nature. C'est l'idée d'une humanité, par certains côtés, extérieur à la nature. Or justement, ce que commence à marquer le 19e siècle dans sa seconde moitié, c'est une réinscription de l'homme dans la nature. Je reviendrai plus en détail tout à l'heure. Là. D'une part avec la thermodynamique, au cœur de la physique, on va réinscrire le temps, et puis évidemment, vous en doutez, avec Darwin, où là, alors, on réinscrit l'homme dans l'animalité, et donc totalement dans la nature. Et bien justement, aujourd'hui aussi, mais depuis cette époque, la conception moderne subit un certain nombre d'assauts. Et apparemment, je crois qu'elle a fini par céder, même si tout le monde ne s'en rend pas encore compte. Alors, je vais revenir très rapidement sur ce qu'était, pour rappeler ce précédent, quand on est passé de la conception antique, qui s'est maintenue jusqu'à la fin du Moyen-Âge, si vous voulez, puis la conception moderne, qui explose au XVIIe siècle, qui est affermie, assurée, à compter du 18e, eh bien, je vous rappellerai très rapidement quelle était la conception grecque, c'est-à-dire celle d'un cosmos, c'est-à-dire d'un univers fini avec des limites et qui comporte 2 traits très importants. Le premier trait caractéristique du cosmos antique, c'était l'unité. Même si le cosmos se subdivise en un monde supralunaire, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de la sphère à laquelle la lune, divinité, est accrochée, et puis le monde supralunaire, le monde céleste, et bien même s'il y a une différence infranchissable entre les deux, même si le régime de l'un et de l'autre, ou les régimes de l'un et de l'autre sont tout à fait différents, n'empêche qu'ils forment une unité, et qu'on a tout de même affaire à un seul cosmos. De même, l'âme et le corps sont distincts pour les anciens, mais chez Aristote, on a affaire à une union substantielle de l'âme et du corps. Les problèmes que pouvait se poser Descartes n'auraient aucun sens, évidemment, pour Aristote, de façon générale. Autre trait très important de cet univers ancien, du cosmos, c'était la hiérarchie. Évidemment, il y a une relation hiérarchique entre la Terre, tout ce qui se passe en dessous, ce qu'on appelle les phénomènes météorologiques, qui sont en dessous justement de cette deuxième sphère après la Terre, n'empêche que, en fait, si vous voulez, c'est le premier moteur immobile qui inspire le mouvement de tout cet ensemble. Donc on a vraiment bien cette unité, mais on a une hiérarchie entre le premier moteur et tout le reste, on va descendre petit à petit en termes de hiérarchie. Alors, ce qui est vraiment important aussi, c'est que cette idée d'hiérarchie débouche sur l'idée que le cosmos est un modèle. Un modèle pour la vie sociale, c'est le modèle même de la cité. Pour Aristote, la cité
Et même s'il a pu apparaître un moment, c'est une entité de nature. Elle permet à la nature humaine de s'exprimer. Et à ce que la nature humaine a de spécifique, à ce qui la distingue des animaux. Par exemple, eh bien, la cité, c'est le lieu où la raison spéculative, par la philosophie, par la pratique de la philosophie, par la pratique des sciences, pas très distincte l'une des autres dans l'Antiquité, eh bien, seule la cité va permettre les pratiques philosophiques et scientifiques. Donc, la cité est le lieu unique où la raison spéculative peut s'épanouir. De même, la cité est le lieu où la raison pratique, par la participation à la vie de la cité, c'est-à-dire ce qu'on appelle la politique, va pouvoir s'épanouir. Et la cité est encore naturelle parce qu'elle est le lieu où il peut y avoir une expression esthétique et donc une mise en forme de la sensibilité par les arts. De même, pour nos conduites individuelles, eh bien, la nature aussi sert de modèle. Eh bien, c'est toute cette construction qui va s'effondrer, de Copernic à Newton, en passant par Kepler, par Galilée. Et il va en résulter une construction totalement différente qui, encore aujourd'hui, informe en grande partie certaines de nos représentations. Alors, le premier trait extrêmement important qui va être défait, en quelque sorte, c'est cette idée d'une unité du cosmos. Et à la place de l'unité du cosmos, on va opposer l'esprit d'un côté et la matière de l'autre. Vous vous souvenez de ce que Descartes écrit dans Le Monde ? Par nature, je n'entends pas quelques déesses avec des pouvoirs imaginaires, mais par nature, je n'entends que la matière. La nature se résume à la matière. Et donc, du coup, évidemment, l'homme lui-même est renvoyé par certains côtés, du côté de Dieu, hein, il est imago Dei, et par bien des côtés, ça sera très important notamment dans toutes les relations qu'on va pouvoir nouer de façon différente avec le monde naturel, eh bien, l'homme lui-même est en quelque sorte extérieur à cette nature matière, parce qu'il est au moins pour partie esprit, et du coup, justement, il est même scindé en deux, il a un côté esprit, un côté matière. Alors, souvenez-vous des efforts du pauvre Descartes pour essayer de trouver une unité entre les deux. Ça n'a pas été une chose simple. Donc il y a un divorce entre homme et nature et un divorce entre âme et corps. C'est vraiment toute l'unité du cosmos qui s'effondre et c'est une représentation de nous-mêmes et de la nature, du coup, qui est franchement différente. Alors, ça va donner lieu à ce qu'un anthropologue contemporain appelle le naturalisme. Je cite par là Philippe Descola dans son grand livre « Par-delà nature et culture ». Alors c'est quoi le naturalisme ? Eh bien justement, c'est cette conception de la nature et par là même de nous-mêmes, dans nos relations à la nature, qui émerge vers la fin du XVIe siècle, qui s'impose au XVIIe et au début du XVIIIe, et qui est franchement totalement différente, qui n'a rien à voir avec ce qu'on va trouver dans tous les autres peuples, tout au long de l'histoire. Cette idée de naturalisme, elle nous paraît tellement évidente à nous, mais pourtant, je vous assure, c'est vraiment quelque chose d'unique. Comme dirent les exégètes, c'est un apax. Ça n'existe que dans le cadre de cette civilisation occidentale. Eh bien, c'est l'idée que nous autres, humains, sommes les seuls à penser. Une idée qu'un grec aurait considérée comme folle. Pour les Grecs, les hommes ne pensent pas. Ils ne font jamais que participer au nous divin, ce qui est tout à fait autre chose. Et ceux qui pensent par excellence, ce sont les dieux. Nous autres humains sommes de piètres penseurs et on ne le fait que par référence à la divinité. Alors non, avec les modernes, seuls les hommes se représentent. Et donc seuls les hommes sont capables de promettre, de nouer des contrats, de reconnaître les devoirs moraux, de se reconnaître obligé par d'autres êtres. Et en revanche, dès qu'on sort de l'humanité, vous vous souvenez des fameux animaux-machines de Descartes, eh bien, tout n'est que mécanique, tout n'est que matière.
ce que veut dire le mot mécanique. Tout n'est que matière. Seuls les hommes pensent. Alors, au XVIIe, on fait encore le don à Dieu de penser, mais très vite, une grande partie de l'humanité savante va finir par lui dénier non seulement cette qualité, mais l'existence elle-même. Et on va rabattre la pensée sur les seuls êtres humains, c'est ce qu'on va appeler naturel. Alors, bon, les autres cultures, dès ce là, lui, il y a quatre ontologies, je vous rappelle, il y a l'animisme, c'est vraiment l'enfer. En fait, Descola part du fait que dans tous les peuples, et on peut le montrer sur un plan linguistique, les hommes sont conscients du fait qu'ils possèdent une intériorité et qu'ils peuvent en partie exprimer cette intériorité par le verbe, par les mimiques, etc., mais qu'ils possèdent une intériorité et, pas fou, ils se doutent bien qu'ils possèdent une physicalité. Ils ont un corps, doté de mouvements, etc. Le grand problème qu'on se pose, ben voilà, nous autres humains sommes dotés d'une intériorité, est-ce que d'autres êtres sur Terre sont dotés d'une intériorité? Et puis, est-ce que, donc, en d'autres termes, est-ce que les autres ressemblent à nous sur le plan de l'intériorité? Puis ensuite, on se pose la deuxième question, est-ce que les autres ressemblent à nous sur le plan de la physicalité? Donc, vous l'avez compris, la conception moderne, ça consiste à dire que nous sommes uniques sur le plan de l'intériorité, personne ne nous ressemble. Mais en revanche, sur le plan de la physicalité, tous les êtres nous ressemblent. Ça, c'est la conception moderne. L'animisme, c'est rigoureusement l'inverse. Dans toutes les cultures animistes, on a l'idée qu'au départ, il n'y a qu'une seule espèce, les hommes. Et que finalement, cette espèce se sépare ensuite en d'autres espèces. Non, vous l'avez peut-être remarqué, mais certains oiseaux ne sont jamais que des hommes à plumes. Certains poissons, que des hommes à écailles. Des animaux à quatre pattes et fourrures ne sont jamais que des hommes, en quelque sorte, masqués. Et donc, du coup, pas forcément avec tous les êtres autres qu'humains, mais avec une grande part de ces êtres, en fait, ce sont des hommes, mais on a vis-à-vis d'eux des devoirs qui sont tout à fait équivalents à ceux qu'on a vis-à-vis des membres de son propre clan, ou de son propre peuple, sa propre tribu, comme vous voudrez. Ça, c'est l'animisme. Donc, pour un animiste, nous sommes ressemblants, identiques à tous les autres êtres sur le plan de l'intériorité, mais différents sur le plan de la physicalité. Et logiquement, il vous reste deux possibilités. Soit on est totalement différent des autres, en même temps sur le plan de l'intériorité et sur le plan de la physicalité. Là, c'est toutes les grandes cultures et grandes civilisations, la nôtre, avant justement l'émergence du naturalisme, c'est ce que Descola appelle l'analogisme. Et puis sinon, vous avez alors l'idée sur laquelle on ressemble, les hommes ressemblent aux autres êtres, tant sur le plan de l'intériorité que sur le plan de la physicalité, et c'est ce qu'on appelle le totémisme. Donc en fait, il n'y a que quatre grammaires, quatre ontologies possibles, et nous autres, occidentaux, avons fait émerger une ontologie bien particulière au détour du XVIe et au début du XVIIe. Alors, et évidemment, ça c'est une rupture fondamentale. Évidemment aussi, l'opposition entre terre et ciel s'effondre avec la Terre. Comme le dit Galilée en voyant la Lune avec sa lunette, la Lune est terreuse. Ce n'est pas un dieu. Alors franchement, ils se battent là-haut parce qu'il y a de sacrés cratères. Hein. Et donc, du coup, évidemment, la Lune devient comme la Terre, un corps terrestre, c'est en quelque sorte, pourrait-on dire, en tout cas tout aussi matériel, ce qui n'était pas évidemment le cas avant. Et c'est l'ensemble des planètes qui perdent leur statut divin antérieur, pour devenir aussi, d'une certaine manière, terreuse et en tout cas matérielle. Alors, dans un premier temps, l'émergence de la science moderne conforte complètement la manière dominante dont on interprétait la Bible, et notamment le récit de la Genèse. Là, on a affaire à un Dieu qui est totalement extérieur, étranger, antérieur, et qui subsistera après la disparition de la création, hein, je vous lis le psaume 102, « Depuis longtemps, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, eux périssent, toi tu restes. » On a donc un Dieu antérieur, extérieur, étranger à la nature, et on a une humanité, l'imago Dei, qui ressemble sur ce plan à son créateur, et qui elle-même, au moins pour partie, participe de cette étrangeté, de cette extériorité, au reste de la nature. Alors, évidemment, autre conséquence, c'est qu'on a
plus de cosmos, on n'a plus d'hiérarchie. Et donc, du coup, et c'est Hobbes qui va tirer les conséquences de tout cela, eh bien, on ne peut plus du tout imaginer que les sociétés soient, comme la cité pour Aristote, naturelles. La société est nécessairement un artefact. Parce que finalement, au départ, il en va des êtres humains comme des parties de la matière. Ils sont partes, extra-partes à leur manière. Ce sont au départ des individus isolés. Et il n'existe pas de société. Et cette nature purement mécanique n'inspire nullement ces êtres humains des origines. Elle ne leur donne pas, de manière infuse, l'idée d'une société. On a donc là un artifice social radical qui est en fait une sorte d'importation de la méthode scientifique alors émergente au domaine du social, et celui qui mène cette transposition, c'est Hobbes. Alors, de temps en temps, sous les apparats de la raison, quelque chose comme une nature modèle revient, mais ce n'est plus du tout la même chose. Donc on a les individus isolés, les uns des autres, il n'y a pas de société, c'est un artefact, un peu comme, si vous voulez, les corps sans les lois qui les relient, et c'est une sorte de physique sociale, et c'est finalement la nécessité d'un côté, et puis d'autre part, les passions des hommes et leur capacité au calcul, qui est la seule chose qui leur soit en quelque sorte innée, qui est leur seule faculté, la raison pour Hobbes se réduit à une faculté de calcul, qui va les amener, pour préserver les désirs, en quelque sorte presque, pour les passions qui sont les leurs à l'origine, à forger société avec le contrat. Alors, de façon plus générale, il n'y a pas que la science naissante qui va nous amener à nous forger une idée de la société. Il y a des aspects événementiels. Alors, on pourrait parler, c'est même avant la révolution scientifique moderne, on pourrait parler de la découverte du nouveau monde qui va être un moteur social important. Mais à mes yeux, il y a une série d'événements qui a été extrêmement importante, à savoir les guerres de religion, qui ont vraiment puissamment contribué, et de façon convergente avec ce qu'on vient de voir, à forger la modernité et à forger cette philosophie du contrat à laquelle je viens de faire allusion avec Hobbes. De quoi, en fait, les guerres de religion ont fini par convaincre les hommes européens? Et bien, si vous regardez la littérature qui précède les guerres de religion, l'idée qu'il existe des biens communs, l'idée qu'il existe des finalités qui animent une société et sur lesquelles les hommes peuvent s'entendre, est une évidence. Après les guerres de religion, force est de constater que les hommes n'ont pas été capables de s'entendre sur le salut. Ils se sont fait la guerre entre eux, catholiques et protestants. Ils se sont disputés sur les voies du salut. Et très rapidement, ils se disputeront sur l'existence même du salut. Et donc, l'idée qui s'impose à l'issue de ces guerres de religion, avec à l'arrière-plan cet artificialisme hobbésien, eh bien, c'est l'idée qu'effectivement, il n'y a pas de bien socialement commun possible, en tout cas de façon positive, et qui transcenderait la diversité des individus. Il n'y a pas de finalité sociale commune évidente. Et finalement, dans l'état civil, c'est-à-dire celui qui va faire suite à l'état de nature chaotique du départ, bien finalement, la seule finalité qui va subsister, c'est celle de l'intérêt individuel. Et donc, du coup, la seule finalité commune possible est une finalité en creux. La seule chose sur laquelle on peut s'entendre, eh bien que, c'est que la société soit ménagée, organisée de telle sorte qu'elle permette à chacun, d'une part, de s'enrichir
c'est-à-dire d'épanouir ses activités matérielles. C'est la seule finalité commune. En fait, si on dit ça en termes plus modernes, la seule finalité qu'on reconnaît, eh bien, c'est que le but ultime de la société, c'est que chacun puisse maximiser ses capacités de production et qu'il puisse jouir sans danger des biens qu'il est capable de produire. C'est la seule finalité, en creux, négative et non plus positive, supérieure, que l'on peut reconnaître. Le seul but de la société, c'est de rendre possible l'enrichissement de tous. Et sur ce plan-là, les sociétés occidentales, comme vous le savez, ont admirablement réfléchi. De la morale du grand siècle à Mandeville, finalement, le moteur, c'est la passion, c'est l'intérêt, c'est l'égoïsme. Et l'organisation de la société moderne, c'est de permettre à cette passion, à cet intérêt, à cet égoïsme, de maximiser l'enrichissement commun. Alors, autre aspect très important de cette pensée moderne, eh bien, c'est la question de la relation entre la nature et la maîtrise que l'on peut en produire. Cette question-là, en fait, n'a pas de sens chez les Grecs. Les techniques ont une fonction très modeste. Ce sont les arts utiles à la vie. Les techniques, c'est ce qui permet d'aménager l'existence. Avec les modernes, on va se faire une toute autre idée des techniques. Les techniques, c'est ce qui va permettre de transformer l'existence. Et vous avez dès Bacon, dès Descartes, le rêve de produire ici-bas, non pas l'immortalité, parce que pour cela, il faudrait ne jamais être né, ce qui techniquement est quand même difficile à réaliser, vous me le concéderez, mais au moins la mortalité, le fait de différer le plus loin possible la mort. Vous avez évidemment ça aujourd'hui avec le discours transhumaniste aujourd'hui. Et donc, je lis ce passage de Bacon parce qu'il me paraît très très clair, et lui-même qui était d'ailleurs un piètre scientifique, mais en tout cas un philosophe qui a bien compris ce qui se jouait dans la science moderne et en quoi elle s'opposait à la science antique. La science antique est essentiellement une science spéculative. Et la science ne permet pas de manipuler le monde de toute façon parce que dès qu'on est au-delà de ce cul de basse-fosse qu'est la Terre, et dès qu'on aborde le domaine céleste, c'est le domaine de la nécessité. Donc évidemment, les techniques n'y ont aucune part. C'est absurde. C'est un domaine du nécessaire. On ne connaît que le mouvement circulaire, donc le seul mouvement qui peut être éternel. Et rien ne s'y produit. Il n'y a pas d'événement dans le monde céleste. Donc les techniques humaines, elles sont vraiment bornées au monde sublunaire. Et dans le monde sublunaire, elles font au mieux qu'imiter la nature. Elles sont là pour simplement, parfois, amener des virtualités naturelles à se réaliser. Et comme le dit Aristote, si jamais les maisons étaient des fleurs, en tout cas des êtres naturels, elles seraient construites de la même manière. Donc voilà, on n'est vraiment plus du tout dans cet ordre-là. Voilà ce que nous dit Bacon. La fin qui est proposée à notre science n'est plus la découverte d'arguments, mais de techniques. Non plus de concordance avec les principes, mais des principes eux-mêmes, au sens opératoire. Non d'arguments probables, mais de dispositions et d'indications opératoires. C'est pourquoi d'une intention différente, celle des modernes, suivra un effet différent. Vaincre et contraindre là-bas, chez les anciens, un adversaire par la discussion, ici, la nature par le travail. On est dans un tout autre monde. Alors, et cette extériorité, si vous voulez, des hommes au monde, vous la retrouvez exprimée très clairement dans un des premiers textes, qui est le premier texte de prise de conscience écologique. Le premier texte au monde où on s'inquiète de la possible destruction par les hommes de leur propre, de l'habitabilité de la Terre, de leur propre condition biosphérique, pourrait-on dire, d'existence. Et c'est George Perkins Marsh, dans Man and Nature, l'homme et la nature, qui écrit ceci.
le fait que de tous les êtres organiques, seul l'homme soit à considérer comme étant essentiellement une force destructrice, et qu'il déploie des énergies face auxquelles la nature, cette nature à qui toute la vie matérielle et toute la substance inorganique obéissent, est totalement impuissante à résister. Tant à prouver que, bien qu'évoluant dans la nature physique, il n'en fait pas partie, vous retrouvez l'imago Dei, mais qu'il est d'origine supérieure et appartient à une classe d'existence plus élevée que celle née des entrailles de la nature et soumise à ses ordres. Incompréhensible ce propos sans des siècles d'interprétation de la Bible. Alors, en fait, si vous voulez, revenons aux conditions, en fait, qui font qu'on peut penser quelque chose comme une maîtrise de la nature, ce qui n'avait pas de sens chez les Grecs. Eh bien, c'est évidemment que la nature soit matière, et pas quelques puissances imaginaires, pour un nouveau pastiche Descartes, c'est qu'elle obéisse à des lois simples et connaissables, que ces lois soient universelles, avec Galilée, la première loi du mouvement, et bien évidemment, ce qui se passe pour une bille sur un plan incliné, c'est la même chose que ce qui se passe avec un astre. La chute d'un caillou et le mouvement d'un astre relèvent de la même équation. Et du coup, du fait de cette simplicité, des lois qui régissent cette matière, et du fait que nous sommes extérieurs à cette nature, elle va nous paraître maîtrisable et en principe absolument maîtrisable. Alors, le gag, c'est que celui qui a le mieux et le premier pensé les limites de la maîtrise, c'est celui en général sur lequel tous les écologistes font peser le fardeau, le pauvre Descartes. Hein, quand il dit comme maître et possesseur, hein, n'oubliez pas que Descartes est l'auteur de la théorie de la création par Dieu des vérités éternelles, donc Dieu aurait très bien pu faire que 2 et 2 n'égalent pas 4. Et donc en fait, ben, les hommes se débrouillent avec leurs mathématiques, mais la structuration mathématique que nous donnons au monde n'est jamais qu'un artefact divin. Et nous ne sommes pas capables de dépasser cet artefact divin, ce qui fait qu'on ne maîtrise pas vraiment la nature. Nous n'en sommes que comme les maîtres et possesseurs, ce qu'on oublie souvent quand on attribue cette chose à Descartes. Et puis très vite, très très rapidement, les premières démonstrations empiriques du pouvoir que donne la science sur le monde apparaissent. On peut maîtriser la balistique, très vite on va tirer de la théorie du mouvement, bien l'échappement des montres, le pendule des horloges, etc. Et donc très vite, nos savoirs théoriques vont montrer leur puissance sur le monde matériel. Et petit à petit, nous en serons tous convaincus. Alors, voilà, je vous ai rappelé cette conception. Là, il fallait l'avoir en tête pour voir en quoi on la déconstruit. Et maintenant, justement, on la déconstruit. Alors, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, le premier coup porté contre l'édifice moderne, il est par Darwin. Je ne peux pas empêcher de citer ce propos d'un écologue mais très important dans la pensée écologique, qui est Aldo Leopold, qui dit, voilà, ben, avec Darwin, l'homme, je le cite, devient un compagnon voyageur des autres espèces dans l'odyssée de l'évolution. L'homme n'est plus imago Dei, n'est plus cet être extérieur, qui, comme nous le rappelait Marx, n'a rien à voir avec les autres, il est ramené au sein du troupeau. Lui-même est un produit de l'évolution des espèces, il est lui-même soumis aux mécanismes de sélection et d'adaptation, même si, attention, Darwin, c'est pas le darwinisme social, Darwin condamnait le darwinisme social, et au contraire, a montré en quoi, eh bien, l'espèce humaine, on appelait ça les réversifs, c'est le vecteur de l'évolution, en quoi l'humanité elle-même obéissait à des règles différentes, notamment ce qui avait permis, ce qui est un des moteurs de l'évolution de l'humanité, c'est l'évolution cette fois-ci au sens social, c'est par exemple l'altruisme, et c'est l'attention qu'on a pour les faibles. Sans attention pour les faibles, pas de société, et pas précisément, probablement, d'évolution des sociétés humaines. Alors, évidemment, ce faisant, Darwin
réintroduit le temps dans la nature. Vous prenez la gravitation universelle, vous faites tourner les planètes en sens inverse, c'est la même équation. Ça ne change rien dans la physique classique. Le temps n'existe pas. Là, on le réintroduit au cœur de la nature. On verra d'autres formes de réintroduction par ailleurs. Et puis petit à petit, cette idée de l'animalité humaine, eh bien, elle va être confortée par les découvertes de la paléontologie, puisque force va être de constater qu'il y a des espèces humaines. Il y a encore quelques milliers d'années, deux espèces humaines coexistaient sur Terre. Alors, autre réintroduction du temps, c'est évidemment la thermodynamique de Carnot, Boltzmann en passant par Clausius. Eh bien, on réintroduit là aussi dans les systèmes physiques la flèche du temps. Alors, de cette manière, on réintroduit un peu un principe d'ordre, parce que justement, l'entropie, c'est effectivement quand il n'y a plus une source chaude, une source froide, il n'y a plus en quelque sorte d'organisation, et puis évidemment, il n'y a plus d'énergie que nous autres humains pouvons utiliser. Mais j'en viens à un autre aspect qui est très important pour nous, parce que là, on ne va plus directement toucher l'aspect éthique. Eh bien, c'est tout ce qui va se passer alors, plus près de nous. Là, on s'est occupé du deuxième moitié du 19e siècle, là, on s'est occupé de la deuxième moitié du 20e siècle à plusieurs moments. Et la première fois, c'est à la fois avec toute l'évolution qu'on va connaître du fait de l'éthologie, qu'on va connaître dans le domaine du droit et qu'on va connaître dans le domaine éthique. On va commencer par l'éthologie. Ce qu'apportent les travaux sur le comportement animal dans la seconde moitié du 20e siècle, eh bien, c'est de mettre à bas les critères classiques de la différence homme animal, ce qu'on appelle la différence anthropologique. On avait l'outil, la parole, plus tard on parlera de culture. Du côté humain, on aurait absence de parole, absence d'outil, absence de culture, du côté animal. Et ce que les travaux d'éthologie vont faire voler en éclats, c'est cette forme de différence anthropologique. Évidemment, ce n'est pas la différence anthropologique en elle-même, mais c'est le fait que la différence anthropologique affecte le langage, affecte l'outil, et puis finalement, affecte ce qu'on peut appeler la culture, en tout cas l'émergence de certains comportements, et puis leur transmission. Alors, très vite, commençons, alors même, et on va s'amuser à reprendre chaque fois un philosophème, si vous voulez, pour montrer comment les choses changent. Et, eh bien, on peut repartir d'Aristote, l'homme comme zone politikon, l'homme comme seul animal politique. Eh bien, les travaux sur les grands singes, alors le premier, c'était Franz Leval, nous ont montré qu'il y a une forme de politique, il y a des jeux de pouvoir, il y a des places à prendre, il y a des stratégies pour prendre ses places, et qu'il y a bien une forme de proto-politique chez les grands singes. Ensuite, souvenez-vous de ce que disait Rousseau dans le discours sur les origines des inégalités parmi les hommes. Un animal, je le cite, est au bout de quelques mois ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de 1000 ans, ce qu'elle était la première année de ses 1000 ans. Ben non, c'est fou. Force a été de le constater avec tous ces travaux de la seconde moitié du XXe siècle. Je donne une sorte d'innovation cinéesque. Et sa transmission, prise carrément, observée au moment même où les choses arrivent, c'était je crois sur une île au Japon, les singes en question étaient des macaques. Et les éthologues les observaient régulièrement, et puis ces singes se rendaient très souvent sur une plage où il y avait des patates douces. Et ces patates douces avaient été jetées par des hommes et elles étaient systématiquement enrobées de sable, donc pas mangeables. Et donc c'est une jeune guenon, un jour, prend une de ces patates douces, la trempe dans l'eau de mer, et d'un seul coup, la patate douce devient comestible puisqu'elle est débarrassée de son sable. Et manifestement, la jeune guenon, il faut qu'elle soit jeune pour faire ça, n'hésite pas à la manger, la trouve très bonne, et les autres jeunes singes vont l'imiter. Mais attention, les vieux singes, pas question.
on ne condescendra pas à s'aligner sur la folie innovative d'une jeune guenille. Donc eux sont morts sans jamais goûter les pâtes à choux. Alors, en regardant l'outil, il n'y a rien de plus répandu dans le règne animal que l'outil, pas simplement chez les grands singes, qui arrivent déjà à un certain degré de satisfaction. Puis vous vous souvenez de Diderot, reprenant les paroles du cardinal de Polignac, au jardin des plantes, devant Chouin d'Orang-Outan, lui disant « Parle, et je te baptise ». Imaginez que l'Orang-Outan ait été éduqué par un éthologue de la seconde moitié du XXe siècle. Il aurait répondu au cardinal. Alors, attendez bien, hein, les orang-outans ou les chimpanzés de la deuxième moitié du XXe siècle ne se plantent pas dans les toilettes pour les requins. Hein. Mais, quand même, ils arrivent à forger une forme de syntaxe, même à inventer des injures pour leur anthropologue, leur favori. Et donc, quand même, le cardinal de Polignac aurait été tout de même assez surpris. Alors, ça, c'est pour, si vous voulez, l'éthologie qui a ruiné cette distinction. Et puis maintenant, on a vu tout au long, alors pas dès le début de la moitié, mais à compter des années 70, il y a un premier article d'un juriste américain, Christopher Stone, qui se pose la question suivante. Doit-on conférer un statut légal, on dirait en langage plus continental, un statut de sujet de droit à des êtres naturels, des arbres, que sais-je, des animaux, etc. Christopher Stone répond oui. Et on a souvent caricaturé ce texte, je l'ai caricaturé moi-même jusqu'au jour où je l'ai lu. Mais parfois, nous autres intellectuels ne faisons pas toujours preuve de l'honnêteté qui conviendrait dans le respect des textes d'autrui. Mais après l'avoir lu, alors là j'étais stupéfait. Parce que c'est un texte extrêmement nuancé et qui résonne de façon simplement juridique pour le coup. C'est-à-dire par analogie. Comment on peut trouver des situations en s'appuyant sur d'autres situations qui existent, hein, des acquis du droit, pour faire entrer des êtres qu'on n'y intégrait pas jusqu'alors. Et puis, on a très souvent vu dans cette volonté quelque chose d'horrible qui allait mettre fin à l'humanisme et au respect de l'homme. Pas du tout. On n'est pas évidemment obligé de conférer à des êtres humains un statut de sujet de droit au sens plénier du terme. Et on peut bien sûr hiérarchiser entre les devoirs qui nous lient à autrui et puis les devoirs qu'on peut avoir vis-à-vis d'êtres non humains, sans qu'il y ait de conflit de devoirs pour autant qu'on les a hiérarchisés au préalable. Et aujourd'hui, on voit alors le droit positif, en tout cas dans les pays occidentaux, évoluer très fortement. Je suis franco-suisse, donc j'habite en Suisse, et je n'ai pas eu cette idée sur eux, mais imaginez que j'ai eu l'idée d'avoir un hamster. Eh bien, je ne pourrais pas acheter un seul hamster. Le droit suisse me l'interdirait. Oui, imaginez cette pauvre petite bête, toute seule, dans sa cage, effectivement, ça lui imposait un traitement non-hamstérien. Et donc, la loi impose le respect de la condition animale, etc. Vous avez eu à la suite de l'ERICA, pour la première fois en France, la reconnaissance d'un préjudice écologique au sens d'un dommage infligé au milieu, sans qu'il n'impacte directement des biens, donc des possessions matérielles de personnes ou les personnes, etc., etc. On parle de déclaration des droits des grands singes. Japon, c'est la deuxième grande culture du robot. Hein. Les Japonais étaient des maniaques d'automates dès le XVIe siècle. Donc eux pensent, ils ont déjà fait des projets de déclaration au coin des robots. Si vous voulez qu'un jour ils nous massacrent pas, c'est peut-être pas une chose leur donner des droits aujourd'hui. Enfin bon. Et puis, vous avez la fameuse déclaration de Cochabamba, hein, en Bolivie, la déclaration des droits de la terre mère, qui est un texte extrêmement important, et là, pour le coup, en droit positif, au moins en tout cas pour la Bolivie. Et donc, on voit depuis des années le droit positif sortir du naturalisme, comme l'éthologie nous a fait sortir du naturalisme. Et puis, vous avez tous les courants des éthiques environnementales, alors au sens très, très large, parce qu'on pourrait aller du pathocentrisme à l'écocentrisme, en passant par le biocentrisme. Alors, dans le cadre, par exemple, d'un écocentrisme hiérarchisé,
Il n'y a pas de conflit entre les devoirs que vous avez vis-à-vis des autres hommes et les devoirs que vous avez vis-à-vis de la nature. Il y a une hiérarchisation de ces devoirs. Donc ça aussi, ça a vraiment été un acquis, disons, essentiellement quand même plutôt des années, fin des années 90, début des années 2000. Mais c'est le fait que ces éthiques environnementales, si elles ne sont pas hiérarchisées, sont d'une part impraticables et pouvaient par ailleurs produire des horreurs. En revanche, compte tenu de notre pouvoir de détruire et les autres êtres vivants et nos conditions même d'existence, un monde sans éthique environnementale, je vous le dis tout de suite, d'ailleurs c'est le cas, est un monde en grand danger. Parce que notre appétit du gain nous incite à un degré de destruction qui est totalement fou. Je vous rappelle qu'entre 1970 et 2010, je parle d'animaux sauvages, c'est la moitié des mammifères, la moitié des oiseaux, la moitié des poissons, la moitié des reptiliens, la moitié des amphibiens qui ont disparu. Et je vous rassure, les insectes ne se portent pas mieux. Donc effectivement, sans éthique, nous sommes capables d'une folie destructrice qui finira par nous emporter. Et là, effectivement, c'est toute la difficulté de ce qu'on appelle la règle d'or. On ne fait pas autrui ce que vous ne voudrez pas qu'on te fie. On va retrouver dans tous les courants de pensée religieux, de sagesse de la fameuse période axiale. Mais autrui dans la règle d'or, c'est l'autre être humain immédiatement présent. Ce n'est ni l'être humain distant, ni évidemment tout ce qui ne relève pas des êtres humains. Alors, très compliqué, parce que probablement qu'il y a quand même un fondement biologique à cette règle d'or, mais en tout cas, telle qu'elle s'est développée au sein de ces grandes sagesses, elle est curieusement, quasi systématiquement, anthropocentrée, au sens propre du terme. Et venons-en maintenant à un autre aspect très important, celui de la maîtrise. Est-ce que l'on croit toujours aujourd'hui, comme on le croyait, comme on l'a cru, du 17e jusque, au moins sans faille, jusque vers le milieu du 20e, dans la possibilité qui est la nôtre de maîtriser la nature? Alors là, qui convient de déchanter de façon assez importante. Premièrement, nous avons fait l'expérience dans la seconde moitié du XXe siècle et bien du caractère relatif, c'est-à-dire en fait circonscrit dans le temps et dans l'espace de notre maîtrise. On s'est aperçu que, effectivement, nous sommes capables de maîtriser à une échelle et locale et temporelle, courte, restreinte, un certain nombre de phénomènes. Mais qu'au-delà, ces mêmes phénomènes eux-mêmes conduisent à faire apparaître d'autres phénomènes, en d'autres termes, des conséquences non désirées, non prévues et destructrices. Et tous les grands problèmes de la seconde moitié du XXe siècle, en termes d'écologie, qu'il s'agisse des destructions dues aux radionucléides, qu'il s'agisse des pesticides, du climat, de la couche d'ozone, etc., tous ces problèmes ont constitué des surprises. On ne s'attendait pas du tout à ces destructions. À chaque fois, la surprise est reconduite. Et lorsqu'il a reçu son prix Nobel, Paul Crutzen, qui a été l'inventeur de la couche d'ozone, la dépression de la couche d'ozone, lui dit « bon, on a eu de la chance ». Parce que si au lieu d'utiliser le chlore pour faire les fameux CFC, hein, ces fameux gaz, eh bien, si on avait utilisé le bromure, on aurait très rapidement, avant même de pouvoir en prendre conscience, détruit tout l'ozone stratosphérique à une vitesse vertigineuse. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il en est ainsi. Eh bien, parce que finalement, cet idéal de maîtrise est inséparable de l'idéal réductionniste. Et finalement, en quoi consiste cet idéal réductionniste? Eh bien, tout d'abord, qu'il n'est de réalité que physique. D'autre part,
que le substrat physique de toute chose se réduit à ses composants et aux lois qui régissent leurs relations. Et bien du coup, vous pouvez avoir une hiérarchie des savoirs, on peut aller de la physique-chimie en passant à la biologie, puis la psychologie jusqu'à la sociologie, mais en fait, au bout du compte, la sociologie dépendrait de la psychologie, qui dépendrait de la biologie, qui dépendrait de la physique-chimie, même si on n'est pas capable de pouvoir remonter cette complexité en partant des éléments initiaux qui composent le substrat physique de ces différents niveaux de réalité auxquels correspondent différents niveaux de savoir. Et donc là, on a l'idée, très claire, d'une causalité ascendante, une causalité linéaire, hein, aux mêmes causes devraient suivre les mêmes effets. Or, cet idéal réductionniste qui suppose qu'on puisse connaître les éléments d'un domaine physique quel qu'il soit ne convient qu'à quelques rares poches du réel. Là où effectivement on peut atteindre, enfin connaître et pouvoir les déterminer et les déterminer numériquement sans quelque interprétation que ce soit, connaître les différents paramètres et tous les connaître d'un petit domaine du réel, alors petit grand, ça peut être la loi de la gravitation, eh bien c'est très rare. C'est très rare. On est là dans une situation qu'on ne va rencontrer que dans certains domaines de la physique et même pas dans tous les domaines de la physique. Ailleurs, on va devoir avoir recours à des taux de loi probabiliste. Je vous rappelle que pour déterminer une loi probabiliste, ben, il faut une infinité d'événements, donc adieu. Et je vous rappelle que l'essentiel de nos connaissances aujourd'hui, ce sont des connaissances par modèle et par modélisation. Or, vous le savez, le propre d'un modèle, c'est de ne pas être falsifiable. Si votre modèle est trop à côté de la réalité qu'il cherche à modéliser, vous avez toute latitude à l'améliorer. La propre d'un modèle, c'est d'être perfectible. Par exemple, si vous prenez le climat, il y a une cinquantaine de modèles différents qui modélisent le climat. Et il n'y a aucun modèle parfait. Ça n'existe pas. Et donc, la falsifiabilité de Popper, ce n'est pas simplement à la psychanalyse ou au marxisme, donc ça ne convient pas. C'est à la totalité des sciences. Enfin bon. Alors, autre chose importante aussi, c'est que, effectivement, on s'est aperçu que la réalité nous renvoie à des systèmes. Beaucoup de ces systèmes, enfin, la totalité de ces systèmes, sont des phénomènes d'auto-organisation. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que les systèmes eux-mêmes, eh bien, filtrent en quelque sorte les mouvements de leurs éléments. Et donc, ils peuvent soit les accentuer, soit au contraire les réduire. Du coup, on a une causalité descendante, d'une part, et on n'a plus une causalité linéaire, aux mêmes causes, en vertu de l'action du système, ne vont pas suivre les mêmes effets. On a donc des effets qui sont réduits ou accentués, et on a une forme de causalité descendante. Et du coup, effectivement, eh bien, dès qu'on peut l'approcher, force a été de se rendre compte dans la seconde moitié de ce siècle que, franchement, le réel était beaucoup plus complexe que ce qu'on s'imaginait. Je vous lis juste deux petits propos. L'un, c'est d'une grande épistémologue américaine, Evelyn Fox Keller. Voilà ce qu'elle dit à propos de la biologie du développement. Le monde est tortueux. Il est trop complexe pour s'adapter parfaitement à nos modèles, à nos théories, à nos explications. Et plus lié au domaine de l'écologie, voilà ce que l'épistémologue Jérôme Ravetz pouvait écrire dans les années 90. La domination de la nature, l'orientation même de notre civilisation scientifique, pourrait bien apparaître rétrospectivement comme une variante désenchantée de magie. Le constat récemment dressé que nous pouvons dominer alors que nous pouvons détruire peut être le défi de notre civilisation. À l'instar de Rome ou de l'islam classique, nous aurions eu notre demi-millénaire de gloire et commence désormais notre déclin, empêtré et affaibli que nous sommes par des problèmes qui croissent plus rapidement que leurs solutions. Et on va les aborder tout à l'heure en parlant d'anthropocène. Mais avant, je voudrais vous dire, pour comprendre, prenons par exemple, on va s'approcher des questions écologiques,
Et voilà comment, par exemple, Peter Westbrook, donc un des grands noms des sciences de la Terre, décrit un aspect du système Terre. Et en fait, si vous voulez, le système Terre, c'est une espèce d'immense machine à tout détruire et reconstruire. À l'autre grand étonnement, de ces débris épars, un nouveau monde renaît spontanément. Un monde qui sera la copie à peu près exacte de celui qui vient de disparaître. On pourra appeler ce phénomène de transformation continue une reconstruction planétaire permanente. L'exemple du granit est à cet effet éclairant. À la surface des continents, ce type de roche se désagrège sous l'effet de l'altération pour se transformer en un mélange d'argile, de quartz et de constituants hydrosolubles. Ces éléments transformés sont ensuite transportés jusqu'au fond de l'océan, d'où ils glissent jusqu'aux profondeurs de la Terre, puis fondent. Par des phénomènes conjoints de refroidissement, de solidification et de soulèvement, un nouveau granit est créé et ramené à la surface, permettant au cycle de se reproduire. Le système Terre est une immense machine thermodynamique, mais au sens où on l'a fait apparaître dans les années 70 du siècle dernier, une immense machine à détruire et à reconstituer, à reconstruire. Et comme le dit Peter Westbrook, eh bien, nos connaissances par rapport au système Terre et à cette multiplicité de cycles, il est un peu comme si nous connaissions des océans que les crevettes. Et donc, prétendre que nous allons piloter le système Terre est une ânerie totale. Premièrement, parce que quand on vire à la bord, de temps en temps, un peu après, le bateau part à tribord, et ensuite, on n'a pour carte marine que des petites poches de cartes. Donc, piloter avec un bateau qui ne va pas où vous lui demandez d'aller et sans carte marine, ça me semble assez délicat. En d'autres termes, eh bien, si vous voulez, nous ne sommes plus du tout à l'extérieur de la nature, nous autres humains. Nous sommes dans à la nature. Nous sommes un élément d'un système et quand on agit, le système réagit. Et je vous assure que les réactions du système, ce n'est pas du pipeau. Mais c'est très puissant. Et c'est de loin que très rarement prévisible. Donc la chose n'est pas simple. Par exemple, imaginez qu'on veuille, par géo-ingénierie, c'est-à-dire soit par le management du rayonnement solaire, soit en capturant et en stockant le CO2, qu'on veuille réduire les effets du changement climatique. La chose la moins coûteuse, parce que nos politiques raisonnent surtout en ces termes, ça serait, avec la circulation quotidienne des avions, de répandre des aérosols soufrés dans toutes les hautes couches de l'atmosphère. Et évidemment, ces aérosols soufrés renverraient une partie du rayonnement solaire dans l'espace. Ok, mais ça mettrait fin à la mousson. C'est une des causes qu'on a compris. Un des effets qu'on a probablement d'autres. Et puis, imaginez qu'on se mette à faire ça. Vous savez que le grand danger du changement climatique, c'est essentiellement la rapidité du changement. C'est le fait qu'on prend quelques degrés en un siècle, alors que normalement, quand on passe d'un âge glaciaire à un âge interglaciaire et vice-versa, la température, sauf accident, évolue d'un degré tous les 1000 ans. Donc la vie, tant bien que mal, s'adapte. Donc là, imaginez que l'on fasse cette chose-là, puis hop, ça ne marche plus d'un coup. On est tous morts. D'un seul coup, vous payez 3 ou 4 degrés. C'est vraiment des idées de Dr. Follamour. Enfin, peu importe. Donc, du fait de notre puissance, et du fait de l'asymétrie entre notre puissance et notre faculté à reconstruire, eh bien, nous arrivons dans cette ère de l'homme. Alors, il ne faudrait peut-être pas mal l'entendre, cette ère de l'homme. Hein. Donc, ce qu'on appelle l'anthropocène. Hein. Vous avez sans doute entendu ce mot. L'anthropocène, c'est l'ère, enfin, je ne peux pas dire l'ère parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est la séquence qui suit l'Holocène, l'âge précédent, qui a duré 11 700 ans et qui fait commencer quand on est vraiment sorti de la période glaciaire et quand on rentre vraiment dans l'interglaciaire sans retour, comme avec le Dryas récent. Donc, cette Holocène aurait duré 11 700 ans. Mais sachez que cette Holocène était du pain béni pour les hommes. C'était une période très calme sur le plan climatique, sans lequel nous n'aurions pu inventer l'agriculture, nous n'aurions pu nous développer comme nous l'avons fait.
Or, en un siècle et demi, nous avons vraiment tout fait avec un soin tout à fait attentif et précautionneux pour sortir de l'Holocène. Et ça y est, nous avons basculé dans une période différente. Et c'est l'effet de ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire que toutes ces courbes qui retracent nos activités, qui explosent toutes à compter des années 50, et on voit en face les flux des grands cycles biogéochimiques qui eux-mêmes sont perturbés au prorata. Maintenant, faisons un petit peu la synthèse. Du côté de la modernité, nous étions hors du monde, nous sommes maintenant vraiment émergés dans la nature sans grand espoir de pouvoir aller s'échapper sur quelques planètes, on pourra reprendre ça dans la discussion. Nous avions l'idée d'un monde infini, alors il est toujours infini, mais en fait la partie dans laquelle nous sommes condamnés à vivre, elle, est bougrement finie. Nous pensions que nous maîtrisions la nature. Non, nous interagissons avec, ce qui est quand même très sensiblement différent. Nous avons cette idée de causalité linéaire, ascendante, et nous avons une causalité qui n'est plus linéaire et qui peut être descendante. Nous imaginions avoir une nature surabondante, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment un leitmotiv des classiques. On a vraiment tout ratiboisé. Et nous allons devoir vivre sur une terre largement appauvrie. Et plus hostile. Donc, si vous voulez, il suffit quelques connaissances partielles pour détruire. Mais pour prévoir l'évolution du système, là, non, on devrait vraiment le connaître. Et là, nous en sommes franchement loin. Nous étions partis de l'idée d'une rupture entre l'homme et la nature. On a aujourd'hui un entrelac entre homme et nature, à telle enseigne que désormais, quand on voit les strates, par exemple, les sédiments d'un lac aujourd'hui, on regarde les sédiments depuis 50 ans, vous faites une découpe, le passage à l'anthropocène est visible. Les sédiments ne sont plus du tout dans les mêmes. Alors, dans ces sédiments, vous avez des technofossiles, vous avez des petites particules forgées par notre combustion, il y en a partout, sur les mers, les forêts, les océans, les déserts, dans les lacs sentinelles de montagne, il y a les diatomées qui réagissent, si vous voulez, à l'azote de l'air, comme on a perturbé le cycle de l'azote, beaucoup plus que le cycle du carbone. Il y a 40% de plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qu'il n'y en avait au début de l'ère industrielle. En revanche, il y a 2,5 fois plus d'azote aujourd'hui qu'il n'y en avait autrefois. On a complètement perturbé le cycle de l'azote. On ne sait pas d'ailleurs les conséquences que ça aura à grande échelle. Il y en aura forcément, mais on ne sait pas quelles sont elles. Et donc, on a aujourd'hui un entrelac parfait. Ce qui fait que quand on regarde, par exemple, les sédiments d'un lac sentinelle, là où il y a ces fameuses diatomées, on pourrait mettre sur chacune des diatomées, en tout cas, il y a une petite coque qu'elles ont, ça s'appelle une frustule, je crois. Eh bien, ces frustules sont imputrescibles, et on les voit vraiment augmenter dans les sédiments, et on pourrait mettre sur chacune de ces frustules à Berbosch, l'inventeur du procédé qui a permis précisément de pouvoir capter l'azote et de le transformer en engrais pour les plantes. Donc on a vraiment un entrelac entre l'histoire au sens classique et la géologie. Ça ne veut pas dire qu'on est super puissant, je pense que là, vous l'avez compris. Alors du coup, et j'en terminerai là-dessus, encore 2-3 minutes, quelles conséquences peut-on tirer de tout cela en matière de spiritualité? Eh bien, on avait autrefois l'idée d'un monde matériel dont on pouvait connaître, je vous l'ai rappelé, pour l'essentiel les lois. On avait l'idée d'un monde sur lequel on pouvait indéfiniment agir et à notre avantage croissant. On passe de la physique à l'économie via les techniques et à l'idée d'une croissance indéfinie. On avait l'idée enfin qu'on pouvait s'entendre sur l'action de ce qu'on pouvait s'entendre, ou même qu'on ne pouvait finalement que s'entendre sur l'action sur ce monde et ses effets en termes de richesse, que c'était la seule finalité qu'on pouvait avoir. Et on s'est mis donc finalement à penser qu'on n'avait pas besoin de Dieu. D'ailleurs, vous allez le mettre dans tout ça. Si vous n'avez plus qu'un univers matériel dont on connaît les lois, qu'on peut manipuler, et dont on voit les réussites des manipulations tous les jours, où vous me collez Dieu? Ça devient une question relativement difficile. Et en plus, si Dieu est censé vous accorder une forme d'infini, dans une certaine forme d'incertitude, qui est celle évidemment de la foi, eh bien le matérialiste de service va vous répondre « Non, tu te trompes, il y a un infini
auquel tous les hommes peuvent accéder. C'est l'infini de la consommation. C'est l'infini de la croissance. Demandez ça à M. Hollande, à M. Sarkozy. Ils vont vous dire qu'il y a un infini indubitable. Celui de la croissance économique. Or, aujourd'hui, à quoi a-t-on affaire ? À une réalité complexe, stratifiée, avec des niveaux d'émergence, à une matière d'un côté qui n'est plus le truchement de notre volonté, mais qui au contraire s'y oppose. Plus ça, on va avancer dans le siècle, et plus on va s'opposer au climat, à la finitude des ressources, au basculement des écosystèmes, et que sais-je. Et puis de l'autre côté, on a une matière qui n'est plus la matière terreuse de Galilée. Elle s'évanouit dans les équations de la physique. Et puis on constate le retour des communs. On voit bien qu'il y a des choses qui conditionnent la vie de tous. Stabilité climatique, richesse de la biodiversité, etc. On voit donc les communs ressurgir. Il devrait y avoir, dans notre conduite, effectivement des finalités à nouveau transcendantes. Ne serait-ce que maintenir sur Terre des conditions favorables à l'épanouissement de la vie humaine. On voit l'échec du consumérisme, la croissance infinie, attendez, remisez-la au placard. Depuis 40 ans, on ne connaît plus qu'une croissance zombie. De grands économistes américains, j'aime pas beaucoup dire grands économistes, j'ai l'impression que c'est une antithèse nominale. Je ne parle pas pour Gaël, parce que lui, au contraire, c'est un économiste, vous verrez bien, hors mainstream. Et ceux du mainstream ne sont pas ses amis, vous le verrez. Et bon, même les certains mainstream, Gordon par exemple, vous dit, ben non, la croissance c'est fini. Puis alors, soyons clairs, que nous apportait la croissance autrefois? Elle nous apportait l'emploi. Elle nous apportait le bien-être. Elle nous a apporté le bien-être. Elle nous apportait la réduction des inégalités. Et que nous apporte la croissance aujourd'hui? Plus bien-être. Des inégalités comme on n'a jamais vu. Et puis elle pourrait bien, en masse, parce que le groupe on l'emploi, mais elle pourrait bien, en masse, les détruire prochainement. Donc le consumérisme, accès à l'infini, ici-bas, laissez tomber. C'est pas une bonne affaire. Donc du coup, on voit bien que sont réunies les conditions pour qu'on repose autrement, différemment, la question de Dieu, et sont réunies les conditions pour que, on n'a pas le choix, qu'on se réinterroge sur ce que doit être la finalité d'une société, c'est-à-dire développer l'humanité. Et on va devoir se reposer la question, qu'on ne se pose plus, parce que le consumérisme tenait lieu de réponse, qu'est-ce qu'être un homme? Qu'est-ce que développer son humanité? J'en ai la réponse d'Aristote, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il serait temps qu'on se repose à nouveau cette question, parce que la réponse qu'on a cherché à lui donner est devenue désormais caduque. Merci de votre attention.